Cher chrétien, cher enfant de Dieu, si tu es en business, si tu es un enfant de Dieu et que tu fais des affaires, tu n'as pas besoin de te justifier auprès de toute l'église pour dire « Oui, je gagne de l'argent parce que je le fais pour la gloire de Dieu. » Tu n'as pas besoin de te justifier. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils gagnent un peu leur argent, sentent comme un jugement de leurs frères, de l'église, autour d'eux. C'est comme si le fait de gagner de l'argent, vous n'étiez pas à l'aise avec le fait de gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin de justifier auprès de qui que ce soit que tu gagnes de l'argent pour la gloire de Dieu. Si tu fais, tu le fais vraiment pour la gloire de Dieu, on saura que tu le fais pour la gloire de Dieu. Alors je vois souvent certaines personnes qui sont déterminées à s'en sortir, qui sont déterminées à faire prospérer, à faire prospérer ce que le Seigneur leur a confié, mais qui sont toujours obligées de se justifier auprès des autres pour dire « Ok, je le fais, mais je le fais pour la gloire de Dieu, je le fais pour soutenir l'œuvre de Dieu. » Dieu n'a pas forcément besoin de ton argent. C'est peut-être contre-intuitif de le dire, mais fais ce qu'il y a dans ton cœur, ok? Fais ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, sers-le de tout ton cœur. Ne te justifie pas forcément, ok? Si tu dois gagner de l'argent, gagne-le. Parce que c'est une grâce de Dieu de pouvoir que si l'œuvre de tes mains peut prospérer, alors que le Seigneur fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Pouvoir générer de l'argent n'est pas mal, ok? Donc, gagne l'argent. Si tu peux gagner de l'argent, fais-le. Mais tous, rassure-toi juste que ton cœur est à Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est à Dieu, tout ton trésor sera à Dieu. Ne te justifie plus, ne perds plus le temps à expliquer aux frères que tu le fais pour la gloire de Dieu, tu le fais pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est inutile. Si tu le fais vraiment pour soutenir l'œuvre de Dieu, on le saura. Alors mène ta vie, si tu es un entrepreneur, si tu es un enfant de Dieu, si tu aimes le business, si tu veux prospérer dans tes affaires, fais confiance au Seigneur et avance. Continue à travailler. Et si tu le fais pour la gloire de Dieu, que tu sois béni à tous égards, ne te justifie plus. Continue juste de travailler et avance. Allez, on se dit à bientôt par la grâce de Dieu. Ciao.